Un petit conseil pour faire un nouvel exercice, en fait, vaut mieux que tu ailles ici dans Croquis. Hein. Tu regardes les nouveaux. Là, tu as par exemple l'exercice 1.8. Et si tu veux avoir le 1.9, tu fais dupliquer tout simplement. OK. Donc là, il y a marqué 1.8 copie. On va le changer en 1.9. Voilà, comme ça, tu auras exactement le fichier sketch et le fichier définition. Alors, exercice 1.9. Donc, on te demande de définir la fonction compter qui va compter jusqu'à un certain nombre. Donc, c'est-à-dire qu'il va afficher les nombres entiers de 1, 2, 3 jusqu'au nombre que l'on aura mis entre parenthèses. Et dans le fichier sketch, on appliquera cette fonction, on comptera de 1 jusqu'à 100. Donc, le nombre, ce sera 100. Allons-y. Donc, je viens ici. Dans le fichier définition, comment je vais faire? Je vais baptiser déjà la fonction, je l'appelle compter. Je vais compter jusqu'à un certain nombre. Alors, comment je fais pour compter? Alors déjà, j'ai affiché quoi? Je vais afficher 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hein, je peux faire ça. Copier-coller. Alors, évidemment, ce n'est pas très efficace. Hein, on va utiliser une boucle de répétition. Mais voyons juste si ça marche. Je fais ça pour voir pour l'instant. 1, 2, 3. OK. Et dans mon fichier sketch, je vais juste faire compter. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Donc, normalement. Alors, je n'ai pas besoin de nombre, hein. Pour l'instant, je n'ai pas mis de nombre. Donc, allons-y, voyons ce qui se passe, j'exécute. Donc, il affiche 1, 2, 3. Donc, c'est bien parti. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est compter jusqu'à un certain nombre n. Donc, je remets ici mon nombre, hein, mon paramètre. Donc, je vais faire une boucle, tout simplement, hein, parce que ça se répète sans arrêt. Donc, je vais faire une boucle. Pour faire une boucle, il faut mettre fort. C'est une boucle de répétition fort. Je vais mettre un compteur qui va varier. Donc la première valeur, ce sera 1, point virgule. La valeur finale, elle sera inférieure ou égale à nombre. Si nombre fait 100, on va compter de 1 à 100. Et à chaque fois, on va incrémenter, c'est-à-dire on va augmenter le compteur de 1. Donc soit je marque plus égale 1, d'accord, ça c'est une façon de faire, soit je mets plus, qui veut dire qu'on va l'augmenter de 1. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au nombre qui a été défini ici comme paramètre. Donc, pour faire une boucle, je mets les accolades, d'accord? Et l'instruction que je vais mettre, donc j'enlève tout ça va être un console log qui va être répété, donc j'en mets qu'un seul. Et au lieu de mettre 1, je ne vais pas afficher juste 1, je vais afficher tout simplement la valeur du compteur, qui vaudra 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. D'accord? Si n fait 100, ben, ça va aller jusqu'à 100, tout simplement. Donc, ceci étant fait, alors là, encore une fois, l'accolade, je peux la mettre là si je veux, hein, peu importe. Je reviens ici dans Sketch et cette fois, je vais compter, je vais marquer 100. Allons-y. Alors, syntaxe erreur, il me dit qu'il y a une erreur. Donc, je regarde ce qui est marqué comme erreur. Il me dit ça, ce deux points n'est pas attendu. Alors, voyons où est-ce que c'est. Donc, fonction compter, ok, je ne vois pas faire un, ok. Alors là, ce n'est pas un deux points, effectivement, c'est un point virgule. Voilà, bug corrigé, donc allons-y, exécutons. Donc là, il va jusqu'à 100, tu vois, et on commence bien à 1. Donc, si je vais juste jusqu'à 10, voyons ce qui se passe. Ça commence à 1, ça va jusqu'à 10. Alors si je voulais compter à partir de, je sais pas moi, à partir de 5, par exemple, jusqu'à un certain nombre, et que je mets par exemple compter 10, eh bien, il va faire tout simplement 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, tu peux enregistrer cette fois. Et comme tu peux le voir, croquis sauvegardé, si tu regardes dans mes croquis, 3, le croquis 1.9.